Faut-il être baptisé pour être sauvé? Et donc la réponse est non, tout simplement parce que le baptême est une œuvre et que donc cela représente la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ et que donc cela ne se passe pas pour être sauvé, mais cela se passe après être sauvé, donc après avoir reçu la vie éternelle. Et donc tout simplement, le fait d'être sauvé n'est pas basé sur votre œuvre, d'accord, sur votre baptême ou sur votre repentance de vos péchés. Ce n'est en aucun cas par votre comportement sur terre, mais c'est par la foi seule en Jésus-Christ, d'accord? Donc en le sauveur Jésus-Christ et non pas en vous-même, donc d'être son propre sauveur, donc de croire qu'on est son propre sauveur. Donc de croire seulement en ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous sauver de l'enfer et non en vous-même. Et donc c'est pour cela qu'il est dit dans Éphésiens 2 du verset 8 à 9 qui dit « Car par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres afin que personne ne se vante. » Donc le salut n'est pas par vos œuvres. Si vous voulez savoir comment aller au paradis, il y a une vidéo en lien YouTube en bio pour le savoir. Bonne journée.